J'ai mis quelques postes là tout à l'heure. Il y a 3 jours de cela, le béret m'a compté il y a 3 jours. J'étais sur internet, je regardais un peu, je scrollais et j'ai vu Mokhtar Doumbia qui est l'ami de Ulrich Dodan, qui est aussi ami à Eva Beauté Tactile, en train de. Comment on appelle ça? A fait un poste. Et je suis allée, je dis, mais c'est qui en fait? Puisque moi, tout ce qui concerne les influenceuses, parce qu'il parlait des influenceuses, moi, mon snap, je parle des influenceuses, les stars et leurs dégâts en fait. C'est-à-dire, si tu es une star, tu es une influenceuse que tu es dans les conneries, sache que tu seras exposé, il n'y a rien à dire en fait, quoi. Voilà. Parce que vos histoires, où vous venez porter plainte, lui porter plainte, on l'attend abusé, là. Moi, je fous ça dans vos coins, dans vos banques, dans vos anus de Wubi. Je ne gère pas ça en fait, raté. Si tu es vraiment, si ça te tient vraiment à temps, tu viens en France, mais porte plainte, il n'y a pas de souci. De toutes les manières, ici en France, la prison est tellement belle, je suis bien assise, j'ai tout ce qu'il faut, rien à foutre en fait, quoi. Mais si je dois vous mettre, pour pas vous rééduquer, là, je vais le faire, et c'est mon travail qui est là. Je fais un live où je dis je sors des classes, et je sors des classes, et j'ai bien mentionné cela. Donc je comprends pas aujourd'hui pourquoi ils sont là. Eva lui a fait quoi? Eva lui a fait quoi? Mais je comprends pas. Est-ce que moi je vous ai dit que Eva m'a fait quelque chose? Est-ce que je vous ai dit que c'est un clash? C'est ça? Est-ce que moi je vous ai dit que c'est un clash entre Eva et moi? Non. Quand vous êtes sur les panels TikTok, en train de parler de la vie des gens, de vous mêler de leurs problèmes, ben est-ce qu'ils vous ont fait quelque chose? C'est à mon tour quand on dit que pour être avec quoi? Non. Restez avec Béret que nous comptons. C'est vraiment que chacun a sa catégorie de Béret et moi ma catégorie là, c'est pour remettre les influenceuses à leur pas. Voilà. Les prises de foyer, les vendeurs de Gedji, c'est des stars et autres qui font des conneries. En tout cas, vous allez vous ranger. Donc, on continue. Donc, du coup, j'étais en train de scroller et puis j'ai vu Doumbia a fait le poste il y a 3 jours. Hein. Tout ça a commencé il y a 3 jours en fait. Et je suis allée pour regarder et tout le monde parlait de Eva Beauté Tactile. Tout le monde parlait d'elle. Que c'est elle. On dit, mais c'est qui? On dit, non, ah, la beauté de ton téléphone est tactile. Un code pour qu'on puisse savoir que c'est la fille en fait. Je suis pas bête, donc on a compris que c'est Eva. Il dit aïe, mes petits villages chiens. Bah, encore, je vais encore sur une poste là-bas chez tribunal. Encore le poste, encore Samuel Boga fait le poste. Je regarde dedans encore les gens parlent de lui. Ah, c'est lui. Voilà un petit béret. Tu vas prendre pour mettre un peu sur ton snap comme à mes habitudes. Mes abonnés savent cela. Voilà, je vais le côté là-bas encore. Les gens font les captures de ce qu'ils ont pris dans les groupes, dans les pages là. Pour mettre dans leur groupe, je vois encore ça parle encore. Il y a, c'est que c'est vraiment gâté. Bon, prends le béret, tu vas venir faire. C'est comme ça que j'ai pris le béret. Voilà, le béret était déjà sur internet et ça se racontait déjà que c'était quelqu'un qui était un dur. Le monsieur était un dur. Il a l'argent. Ils ont donné tous les indices dans le béret, dans sur internet. Donc, moi j'ai pris ça, puis je suis venu reporter. Vous avez compris. Voilà, j'ai pris et je suis revenu pour reporter. Donc, à quel moment? C'est ma bio qui a me confirmé que voici, voici. À quel moment c'est Camille qui a venu me dire, pourtant vous avez bien vu sur les pages là-bas, ce qui se racontait, seulement qu'ils avaient peur de dire le nom de la personne. Moi, quand ils font Béret, ils ont peur de dire le nom des gens là. Moi, j'ai vu ce puis ils disent ton nom. Les gens ont peur des PCC parce qu'ils sont tous abusants. Moi, je viens et puis je dis ton nom. Donc, à quel moment vous avez raconté pour dire que oui, c'est Camille, c'est tatata, c'est nini, c'est nini. À quel moment en fait? À quel moment? Un Béret, qu'est-ce que c'est là toi? Un béret où on parlait d'un concours, on donnait même les indices un peu. On n'est pas bête. Donc à quel moment c'est toi là? Hein? Quand j'ai fait le béret il y a 2 jours, parce qu'il y a même 2 jours. C'est pour hier là que j'ai mis en une semaine. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous le rappelle. Quand j'ai fait le béret là même là, je n'ai pas confirmé. Hein, parce que je n'ai pas encore tous les trucs en main. Donc il dit, ah les gens racontent. Et puis bon, c'était un petit truc qu'ils voulaient faire en fait. Hein. Ça les gens, c'était un petit truc qu'ils voulaient faire, parler une fois, puis je passe en fait. Je vais vous expliquer bien. Ah, voyez ce que les gens racontent. T'as pu expliquer en fait quoi? Sans confirmer. La petite équipe là-bas, c'est une petite qui causait avec moi. Quand la petite drogue allait derrière elle là, elle a comme vous dit. Depuis elle parle. Si elle dit c'est faux là, on va se mesurer les règles pour se maudire. Moi, je m'en parle. Quand la petite drogue est partie derrière elle là, c'est moi qui l'ai appelée. Puis elle m'a expliqué. C'est pas Camille qui a dit, c'est pas Mario qui a dit, pas quelqu'un qui a dit, c'est elle de sa bouche. Elle a tout dévoilé de ça. Tu ne verras pas ça. C'est depuis ce jour qu'elle a arrêté de faire boucan, de jeter l'argent. Donc, la petite rentre dans mon une voix, je parle de l'histoire. Voici. Vous m'avez regardé. Donc, je parle de l'histoire. C'est-à-dire, moi, ici, assise ici, d'abord, c'est mon lit. Je parle de ce père, c'est-à-dire.
Tu es. C'est pas vrai. Et puis elle rit. Non, je suis petite menteuse d'une manière là. Que tout ce qu'elle regarde, c'est lui. Tu es forte même. Je suis une petite menteuse. Et elle me prend pour qui même. Et puis après, elle me dit que oui. Moi là, je arrête de gâter. Parce que je n'aime pas parler de son commerce. Hein. Son commerce, je n'aime pas parler de son commerce même. Je parlais c'est pas pour dire ah, que elle et moi, on fait plus, que j'arrête plus avec elle parce qu'elle reprend notre gré. Je me suis limitée là. Et, oh, arrête de gâter mon commerce. Il n'aime même pas quand tu as ton commerce, tu parles. C'est maintenant qu'elle est bien parlée. C'est elle-même, Eva là, qui a provoqué tout ça aujourd'hui. C'est elle-même qui est coupable. Elle finit de dire que moi, je dis des contre-vérités. Et puis, elle s'en va accuser ma bio. Voilà. Ça y est, le ventre, c'est quand même au quand. Il y a 3 jours, quand tout ça a commencé là, elle a là. Je suis allée voir une statue là, mais les messages sont passés. Non, elle me disait que moi, elle mentait, c'est une menteuse, oui, nanana, que il y a un poste qui est plus, elle a dit que oui, que faut pas qu'elle mente sur elle, nanana, que oui, elle répond aux clients que c'est ce qu'ils ont fait, c'est des mensonges. J'ai publié ça en message, voilà. Le reste là, j'ai pas fait la capture. Il dit ok, il est dans mon aimant. Elle dit ce qui a te fait pleurer là. C'est là qui fait rire au début. Tu es là, tu ris, non? Après, tu vas pleurer. Donc, les gens vont dire, ah, mais pourquoi tu reprends Sylvia? Qu'il fallait laisser Sylvia pour ne pas reprendre à Sylvia, tout. Mon bus arrive, je vais prendre mon bus et on va continuer.